Samy et Julie à la fête de la musique. Les personnages de l'histoire: Léna, Louis, Tom, Samy, maman, papa et Julie. En rentrant de l'école, Julie se précipite vers papa. Ce soir, pourrait-on se coucher tard pour une fois? Demande-t-elle. C'est la fête de la musique. Tom et Léna vont jouer. C'est prévu, répond papa, dès le retour de maman. Nous avalons une pizza et nous allons faire un tour. Heureusement, maman est rentrée tôt. La dernière bouchée de pizza engloutie, tout le monde s'apprête à sortir. Julie a mis une jolie robe à volant. Pourvu qu'on danse, songe-t-elle. Non, Toby, tu restes là. C'est formidable. Tous les artistes se sont installés sur la place et la foule commence à se presser. Oh là! Ils ont l'air drôlement énervés, s'étonne Samy en s'arrêtant devant un groupe déchaîné. Quelle cacophonie! Filons! Suggère Julie. Là-bas, Louis et sa maman, s'écrie Samy. Ah, que c'est joli! Soupire d'aise, maman. Avec son violon, la maman de Louis est une virtuose. Quand elle a fini de jouer, Louis attaque un solon de violoncelle. Il pourrait quand même me faire un signe, déplore Samy. Ne le déconcentre pas, c'est difficile de jouer, répond maman. Quel prodige, un vrai petit Mozart, admire une jeune fille. Quand est-ce qu'on danse? Chut! Il est temps de retrouver Tom et Léna. Ce sont eux là-bas, annonce Samy. Je reconnais la chanson, s'écrie Julie. Le grand-père de Léna la chante toujours. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et à présent, dansons le zouk, lance le grand-père de Léna. Bravo! Hurrah! Félicite la foule enthousiaste. Julie est comblée. Elle peut enfin danser. D'abord hésitant, Samy se jette dans la farandole. C'est rigolo, personne ne se connaissait et voilà que tout le monde danse et rit de bon cœur. Tom et Léna agitent leur maracas avec frénésie. La nuit de juin est tiède, les étoiles éclairent le ciel. Il va tout de même falloir rentrer se coucher. Un monsieur joue de l'orgue de Barbarie. Bonne nuit, les enfants, lance-t-il à Samy et Julie. Le lendemain matin, Julie dit à Samy: C'est décidé, je vais jouer d'un instrument de musique. Super idée, renchérit Samy. Ils plongent dans leur coffre à jouer à la recherche de leur flûte. Les voilà, s'écrie Julie, que le concert commence. Stop, crie papa, la musique, ça s'apprend. Et si j'apprends, je serai prête pour la future fête de la musique? Demande Julie. C'est sûr, répond papa. Moi, conclut Samy, je vais jouer des maracas avec Tom. Ça a l'air plus facile. As-tu bien compris l'histoire? Pourquoi Julie veut-elle sortir le soir au début de l'histoire? Qui Samy et Julie croisent-ils d'abord? Qui retrouvent-ils ensuite? De quel instrument Samy et Julie jouent-ils dans leur chambre? À la fin, pourquoi papa est-il fâché contre Samy et Julie? Et toi, qu'en penses-tu? Quelle est ta chanson préférée? Sais-tu jouer d'un instrument? Sinon, aimerais-tu apprendre? Es-tu déjà allé à la fête de la musique? Connais-tu le zouk? Sur quelle musique aimes-tu danser? C'était Samy et Julie à la fête de la musique.